Dans l'application de la gestion des commandes, on a la possibilité d'utiliser un portail online, donc le portail qui s'appelle MyAbacus, et ça nous permet donc de créer de nouvelles commandes ou des offres qui va pouvoir être utilisée sur un PC par exemple, ou aussi sur des tablettes. Tant qu'on a une connexion à Internet, le portail va être nouveau. Donc ça nous permet d'assez simplement créer une nouvelle commande pour par exemple quelqu'un qui doit être sur le terrain et puis qui ne va pas forcément tout le temps au bureau, il peut directement saisir sa commande sur la tablette ou également en traiter des qui sont déjà existantes. On peut donc faire signer un document si on a saisi une offre sur la tablette et qu'on veut donc une validation par le client. On peut simplement faire numériquement une signature qui va ensuite être reprise directement au format PDF sur l'application ERP d'Abacus. Alors on peut par exemple utiliser ça pour un représentant commercial qui va aller souvent en clientèle se déplacer et sans devoir toujours s'encombrer de son ordinateur, il peut simplement prendre une tablette avec lui. Et puis donc faire sa commande, faire valider par le client et ensuite c'est directement envoyé à l'administration. Il peut directement saisir des articles et des prestations qui sont disponibles depuis une base d'articles déjà existante et directement saisir ça sur la tablette et ensuite c'est synchronisé immédiatement avec le RP dès qu'on a une connexion Wi-Fi. On peut aussi par exemple utiliser ça dans un magasin, que ce soit par exemple un magasin de meubles. Le vendeur peut directement saisir la commande sur la tablette et puis ensuite elle peut être envoyée aussi à l'administration pour être complétée si d'autres informations supplémentaires doivent être saisies. Le vendeur, il va directement avoir tous ses articles à disposition avec les différents prix, même si tout à coup peut-être il y a un prix d'action qui est défini. Il le verra aussi directement au moment de saisir l'article. Une fois que le commercial a donc saisi sa commande avec toutes les informations liées au client, on peut ensuite envoyer ça à l'administration pour que ce soit ensuite validé, pour que la commande définitive soit créée pour le client. Si le vendeur doit faire une configuration spécifique pour un client, par exemple selon le nombre de places d'un canapé, ou la texture aussi du canapé, il peut utiliser la notion de variante dans le portail. Donc, il va pouvoir faire ça sur mesure et donc pouvoir proposer un prix directement à son client.